Bienvenue à tous dans l'épisode numéro 34, un épisode un petit peu particulier cette fois, puisqu'on va parler du démarrage sur la blockchain Solana. Et je vous cache pas que ça a été un petit peu compliqué pour moi et j'imagine aussi pour vous. Donc on va essayer de faire un petit tour des changements euh, qu'on a pu rencontrer avec ce passage sur Solana pour essayer de mieux les comprendre. Qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant on avait une blockchain qui était spécifique à Helium et ça c'était plutôt sympatoche parce que du coup on pouvait avoir quelque chose qui était vraiment très adapté à l'expérience d'Helium euh, et qui du coup avait une... quelque chose de plutôt simple. C'est ce qu'on a beaucoup aimé avec Helium dans les premières années. C'est on branche euh, le mineur, on a l'application qui permet de le configurer et on a tout qui est accessible directement sur l'application et grosso modo on peut en rester là. Alors quand on passe sur Solana, on rentre sur une autre chaîne et donc en fait, on se retrouve avec Helium qui est au-dessus de la chaîne Solana. Et donc ça ça a quelques contraintes parce qu'il y a des contextes, des concepts, pardon, eh bien euh, qui ne peuvent pas exister de façon native comme c'était le cas précédemment. Je vais vous prendre l'exemple par exemple des hotspots. Le hotspot était un élément de la chaîne euh, de Helium, mais forcément cette notion-là n'existe pas sur Solana. Il faut donc trouver des artifices qui permettent de le représenter. Et là pour les hotspots par exemple, ça va être le cas avec l'utilisation de NFT. On va y revenir tout à l'heure. Alors les premiers trucs qui ont changé c'est l'application Helium. On va utiliser maintenant Helium Wallet uniquement, hein, qui était là déjà depuis un petit moment et qui a permis de faire la migration des wallets. Je ne vais pas revenir sur cette partie là parce que normalement vous avez tous dû migrer et c'est plutôt simple si vous l'avez pas fait et bien vous installez l'application Elum Wallet normalement votre ancienne application elle va aller charger votre wallet à l'intérieur sinon il faut utiliser vos 12 mots pour arriver à faire cette récupération et une fois que vous avez votre wallet et ben il va être possible de le migrer vers Solana donc ça c'est une opération qui des fois met quelques petits messages d'erreur, mais globalement se passe plutôt bien, enfin en tout cas moi j'ai pas eu de soucis particuliers, j'en ai migré plusieurs, ça s'est bien passé. Donc je vous conseille de faire ça, si vous aviez des wallets de type CLI, euh, ce qui était mon cas, euh, vous pouvez voir, c'est-à-dire celles qui sont en ligne de commande, ben, le mieux c'est quand même de les exporter vers le wallet Helium pour faire la migration. Et ça, ça se fait de façon assez simple, avec un QR code, je vous invite à regarder la doc si vous êtes dans ce cas-là, vous devriez arriver à vous débrouiller, c'était plutôt assez accessible. Si vous avez des ledgers, regardez la doc aussi, il y a une procédure qui, est légèrement différente si je me trompe pas voilà mais c'est bien documenté sur le site d'hélium vous allez trouver tout ça donc revenons à notre application et à notre wallet donc dans Wallet vous avez votre euh, wallet qui a donc été migré et là les choses vont être un petit peu différentes alors, tout d'abord, dans le wallet, on ne va plus voir uniquement des HNT qu'on avait précédemment, puisqu'en fait, l'intérêt de la migration sur Solana, c'était aussi de gérer les DAO, c'est-à-dire les différents ensembles, vous savez, entre euh, l'IoT, le mobile et puis les autres qui vont arriver. Et donc, du coup, on va voir d'autres cryptos, on va voir le HNT, celui qu'on possédait précédemment, mais il faut savoir que tous les nouveaux qui vont arriver, ou euh, vous maintenant, des HNT, vous n'allez plus en gagner. Donc, votre euh, stock de HNT, il va être stable. Par contre, si vous avez des mineurs euh, LoRaWAN, donc des mineurs IoT, vous allez récupérer un autre token qui est le token IoT que vous allez voir apparaître en dessous. Vous allez voir aussi le token mobile, donc ça vous en aurez uniquement si vous faites du mobile et qu'on ne peut pas en faire en France, j'imagine que vous n'en aurez pas, mais s'il y a des Canadiens qui écoutent, potentiellement ça peut les concerner. Voilà. Et puis vous verrez un quatrième token, et ce quatrième token, c'est SOL. Le sol de Solana. Pourquoi est-ce qu'on va avoir des sols qui ont été crédités de façon automatique Et là, attention, des fois, vous pourrez voir, vous avez un sol et c'est super la richesse, mais en fait, c'est une erreur d'affichage. <laughs> vous en avez plutôt 0, quelque chose. Eh bien, c'est parce qu'à partir du moment où on va faire une opération sur Solana, il va falloir dépenser des sols. Voilà. Donc, vous aurez besoin d'utiliser des sols quand vous allez, euh, par exemple, transférer de la, des tokens d'une personne à une autre personne, d'un wallet à un autre wallet. Donc, ce sol-là, on va en avoir euh, besoin. C'est pour ça qu'il y en a un minimum. Et potentiellement, vous aurez besoin de remettre des sols. Donc, on en parlera tout à l'heure sur comment ajouter des sols dans euh, son wallet de façon assez simple. Donc, au départ, on en a un petit peu. Donc, ça, c'est normal. Euh, vous n'en gagnerez pas des sols. Hein, donc, il va falloir les échanger. On verra ça tout à l'heure, comme j'ai dit. Donc, ce qu'on va voir, c'est des IoT. Par défaut, vos IoT seront peut-être à zéro, même si vos mineurs y tournent. Et là encore, on a un, un truc qui est, qui est pas forcément super simple à appréhender, euh, mais euh, qui est, euh, qu'on va comprendre euh, dans quelques instants. Donc, euh, cet IoT, c'est vos rewards qui sont liés à vos hotspots. Hein. Donc, là, euh, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à peu près hein, cette année, on, on est dans l'ordre de euh, 2000 IoT qui vont être générés pour un HNT qui va être généré. Donc, euh, vous savez, il y avait eu un, un hip qui proposait de, de changer, déplacer la virgule dans la HNT. En fait, ça se traduit par, en gros, IoT qui délivre beaucoup d'IOT euh, pour les mineurs qui sont là. Bon, bah forcément, s'il y en a 2000 qui sont générés, ça vaut à peu près 2000 fois moins, mais. Du coup, ça revient au même, hein, vous ne faites pas d'illusion, euh, même si aujourd'hui, le cours de l'IoT n'est pas encore quelque chose de, de super clair parce qu'on a pas beaucoup sur le marché. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, on a nos IoT et donc, ils sont à zéro. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus comment ça marche et pour ça, il faut aller sur le deuxième onglet qu'on va avoir sur l'application qui concerne les NFT. Donc comme je vous ai dit, la notion de hotspot par exemple est une notion qui n'existe pas sur Solana, donc euh, est utilisée la notion de NFT, c'est-à-dire que chaque hotspot en fait correspond à un NFT, euh, et donc c'est ce NFT qui a toutes les informations et qui prouve que vous êtes propriétaire de ce hotspot. Voilà. Et donc, euh, vous allez retrouver dans cette euh, partie-là bah, l'ensemble des euh, hotspots que, que vous gérez. Et alors, petite particularité sur l'application Helium, vous avez en fait deux tables, euh, mais qui en fait euh, sont complètement virtuelles. Un pour euh, des hotspots et un autre pour des NFT. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Euh, mais euh, en réalité, en fait, euh, c'est exactement la même chose. Dans tous les cas, c'est des NFT. Voilà, donc en fait quand vous transférez un hotspot à quelqu'un, bah, vous transférez euh, le NFT du hotspot à, à cette personne-là par exemple euh, pour, euh, pour faire cette opération. Donc ça on retombe sur les mécaniques qui sont les mécaniques assez classiques euh, d'une blockchain. Donc, euh, donc du coup ça marche plutôt bien, voilà, mais bah, vous voyez c'est un peu, un peu différent. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire une mise à jour sur le hotspot, bah, changer euh, son, à, sa localisation ou euh, changer euh, son élévation, son gain ou ce genre de choses, hein, comme on faisait précédemment, c'est une mise à jour de ce NFT. Et donc là vous voyez par exemple on va devoir consommer euh, aussi des sols pour faire cette opération-là. En plus de sans doute devoir toujours burner euh, des HNT ou des IoT pour arriver à faire aussi cette opération qui sur la chaîne Helium a aussi un coût particulier. Voilà, donc voyons, on va mixer euh, un certain nombre de, de tokens pour arriver à faire des opérations un peu classiques. C'est ce qui euh, peut être euh, voilà, un, petit peu, un, un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait précédemment. Donc euh, on, a, on a donc ces, euh, ces NFT et. Si vous regardez vos NFT de hotspot vous verrez que à côté il y a des IoT qui sont indiqués et en fait c'est là que sont les rewards euh, qu'on euh, récupéré vos hotspots donc vous voyez la mécanique elle est complètement différente c'est à dire que les IoT viennent pas directement dans votre toilette en fait les IOT sont attachés au NFT donc comme ça, ça vous permet de voir euh, chaque spot en fait ce, ce qu'il a, qu a gagné euh, par rapport aux autres. Donc ça, c'est un côté un peu intéressant. Euh, maintenant, pour pouvoir récupérer ces IoT, il va falloir qu'on les claim. Et donc cette opération de claim, c'est celle qui va transférer les IoT euh, de vos NFT vers votre wallet. Et là, encore une fois, c'est une opération qui va consommer des sols. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas automatique en fait et qu'on va pas forcément le faire à chaque fois. Donc vous pouvez Cumuler en fait des IOT sur euh, vos NFT sur votre spot et puis ensuite les clémer euh, plus tard quand vous en avez besoin. Voilà euh, les IOT, contrairement à avant, et d'accord, les rewards ils arrivaient finalement à chaque euh, à chaque euh, bloc, et donc euh, bah, si vous aviez eu un witness juste après vous aviez un reward qui correspond à ce witness. Là, ça ne va plus être le cas. Euh, si je ne me trompe pas, c'est une fois par jour que les rewards sont distribués sur l'NFT. Et là encore, bah, c'est pour une question de coût, puisque ces opérations-là, elles, elles coûtent des sols, pas à vous, mais à Helium. Et euh, bah, pour pas que ça coûte trop cher, forcément, ça va être regroupé. Donc, euh, donc ça arrive une fois par jour, donc ça veut dire que ce truc-là est mis à jour une seule fois par jour. Et donc ensuite, bah, vous pouvez clémer pour les récupérer dans vos toilettes. Voilà. Vous voyez la mécanique, elle est un petit peu plus compliquée, mais elle n'est pas non plus. Super complexe hein, si je résume euh, vos hotspots, ils font des pocs et des witnesses toute la journée. Ils récupèrent donc il y a un calcul de reward qui est fait. Ce calcul de reward il est euh, placé une fois par jour sur vos hotspots et ensuite bah, ils sont accumulés sur un ou plusieurs jours. Et quand vous voulez les sortir, vous les clémez et ils sont transférés dans votre wallet. Et ensuite, dans votre wallet, bah, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc voilà un petit peu euh, comment euh, ce système fonctionne. Alors, dans la partie euh, NFT, comme je l'ai dit, il y a Hotspot et il y a les NFT, et dans les NFT, ben, on verra aussi autre chose. On va voir les VEHNT, donc je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais ça, je peux vous inviter à revoir euh, la vidéo qui était sur euh, le HIP des DAO, le HIP51, si je ne me trompe pas, et qui euh, réexplique ce fonctionnement des VEHNT qui sont les droits de vote. Ouais. Alors, pour arriver à. Euh, il y, a, il y a en fait deux choses. En fait. Il y a, la première chose, c'est d'aller voter sur la chaîne. Donc ça, c'est la première chose pour pouvoir prendre des décisions, hein, voter sur les hips et les évolutions de la chaîne. Et la deuxième chose, c'est le système de VEHNT. En fait, il va renforcer l'équilibre entre la distribution des tokens, entre l'IoT, le mobile et les autres DAO. Et je vous rappelle que vous, vos hotspots, ils gagnent des IoT et ces IoT, ils ont une valeur en face qui est basée sur les HNT. Parce qu'en fait, on peut toujours transformer les IoT en HNT. D'accord Donc c'est toujours convertible. Donc même si les IoT aujourd'hui, ils n'ont pas forcément une valeur euh, cotée, vous pouvez toujours les burner en HNT. Et à partir du moment où vous avez burné en HNT, et ben, euh, vous pouvez euh, derrière revendre euh, ces HNT à un cours classique. Voilà. Donc on peut toujours faire ces opérations-là. Donc, il y a toujours aussi des HNT qui sont générés, hein, puisque la blockchain Helium, elle continue à générer des HNT, mais ces HNT ne sont pas distribués aux, aux mineurs. Ces HNT sont placés dans des trésoreries, dans des trésors. Et la répartition de ces HNT dans les trésors, elle est fonction de plusieurs choses, pour revoir ma vidéo, parce que sinon, ce sera un petit peu long, mais en partie, c'est fonction de la quantité de VEHNT qui sont délégués au trésor. IoT ou au trésor mobile. Donc en fait on a un intérêt à ce que nos HNT on les lock pour les transformer en VHNT pour qu'on les délègue à IoT de façon à ce que la DAO IoT elle récupère plus de HNT et donc que le taux de conversion soit meilleur quand on veut transformer des IoT en... HNT. Voilà, bon, grosso modo, le, la mécanique, vous pourrez avoir la vidéo pour avoir plus de détails. Mais c'est pour ça que c'est important. Un, pour voter et deux, pour la valorisation du token. Donc, pour avoir des VEHNT, il faut à la base qu'on ait des HNT. Et ces HNT-là, en fait, on va les loquer. Et le fait de les loquer, ça va nous permettre ensuite de les déléguer et les déléguer à la chaîne IoT. Alors, de la même façon, on pourra prendre des IoT, on pourra les loquer et on pourra les déléguer dans La chaîne IoT, la différence c'est que pardon, je suis de la délégation sur l'IoT, j'ai un doute là, mais c'est pas grave. En tout cas, on va pouvoir les loquer et ce qui va nous donner les droits de vote. Voilà, donc c'est important aussi des IoT de les euh, loquer pour obtenir des droits de vote pour voter sur les choses. Pour bien comprendre, hein, avec vos VEHNT, et eh ben on va voter sur des choses qui sont globales et qui concernent toutes les DAO, et puis avec des VE IoT, on va aller voter sur euh, des euh, IP qui concernent la chaîne IoT. Voilà, alors. Ce système de lock, euh, pour aller, de stacking en fait, hein, pour aller le mettre en place, il va falloir qu'on aille sur l'application, dans le dernier petit onglet, qui a une petite planète, qui est un browser, et qui va nous permettre, en fait, bah, un peu comme on voit euh, bah, sur, euh, sur les Solana ou euh, j'ai perdu le nom, d'autres sur d'autres euh, systèmes euh, de, de, de décentralisés de, de... Ah... Bon. Bon, bref, sur d'autres systèmes. Euh, en fait, on va naviguer dans un navigateur interne qu'on va pouvoir connecter au wallet, donc qui correspond à l'application dans laquelle on est, de façon à avoir une association sécurisée entre le browser et le wallet dans lequel on est, voilà, grosso modo pour s'identifier. Donc, on va pouvoir surfer dans cette partie-là et on a un certain nombre de liens qui sont affichés, dont un lien qui va être realm quelque chose pour EliumVote euh, hein, euh, slash DAO slash euh, HNT slash IoT. Voilà. Donc, on a ces différentes choses qui sont là. On va pouvoir, par exemple, si on veut faire des VEHNT, aller donc sur la, D, sur la DAO HNT, on va cliquer dessus. Ça va nous ouvrir une page. Dans cette page-là, on va pouvoir donc ouvrir notre wallet, enfin connecter notre wallet. Ça, ça nous permet donc d'accéder à notre solde HNT et des informations comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ensuite choisir de loquer les tokens. Là, on va pouvoir choisir le nombre de tokens qu'on veut loquer, la durée et la façon dont on le loque. Alors, la durée, elle va être importante parce qu'elle définit le multiplier qu'on a euh, en termes de droit de vote. C'est-à-dire que grosso modo, je peux loquer pour six mois. Ça, ça me fait un ratio multiplicateur de 12,5. Ou alors, je peux loquer pendant 4 ans, et ça, ça me fait un ratio multiplicateur de 100. Donc, vous voyez qu'en fait, je peux choisir de loquer une petite quantité pendant très longtemps, ou je peux choisir de loquer une plus grande quantité pendant peu de temps, et ça me donnera le même pouvoir de vote. Donc en gros, plus on joue longtemps et plus on a le droit de voter, hein, grosso modo, et plus on est court et euh, moins on, on obtient de, de votes, mais moins on prend de risques aussi, hein, bien entendu, euh, ce qui est un élément important. Donc là, chacun hein, choisira bien l'équilibre qu'il veut, euh, si bien sûr il, il souhaite locker quelque chose, euh, et ça, ça donnera le multiplier. Donc ça vous donne le nombre de droits de vote. Ensuite, il y a un choix à faire qui est de choisir entre cliff et constante. Alors, le système est le suivant, c'est quand on va locker les tokens, Mettons par exemple, ils sont loqués pendant un an. Donc je peux me dire que soit c'est un an à partir de maintenant, et dans ce cas, dans un an, ils seront déloqués, et dans ce cas, j'utilise Cliff. Donc ça veut dire que dès que euh, je lock mes tokens, le compte-arbour euh, commence à s'écouler. Ou alors, je peux choisir d'être en constante, c'est-à-dire que je m'engagerai... Pour un an minimum dans ce cas je bon, mes, mes tokens sont loqués pendant un an puis je peux attendre 18 mois par exemple donc pendant 18 mois j'ai toujours c'est comme voilà, ils ont été loqués et au bout de 18 mois je peux dire à partir de maintenant je veux les déloquer et donc c'est à partir de ce moment là que les un an vont commencer voilà donc en gros la différence en constante c'est que ce sera au bout d'un an mais je peux choisir quand je déclenche cette année alors qu'en cliff c'est dans un an qu'ils seront libérés à partir de maintenant. Voilà. donc sur les, sur les HNT il euh, y a un, un système de stacking avec des rewards je, il faudra vérifier, je ne suis pas sûr de moi je crois que c'est 6% euh, qui est redistribué et je ne sais pas si quand on est dans le cliff euh, dans, la, dans la partie où ça baisse si les rewards ne sont pas dégressifs mais là je ne suis vraiment pas sûr de moi il euh, faut que je relise les hips sur ces, sur ces sujets là voilà. donc voilà, donc cliff constante c'est euh, ces notions là euh, ensuite, euh, une fois qu'on a fait ça, donc on a choisi le montant, on a choisi le type, on a choisi la durée, on va valider. Ça, ça va nous créer un NFT. Donc là, on va avoir encore un NFT qui correspond à euh, ce, ces VH, VEHNT qu'on a, qu a créé, donc à nos droits de vote. Donc ensuite, ces droits de vote, on va les déléguer. Donc ça, c'est une autre opération à faire, de les déléguer. Et on va les déléguer à euh, une autre chaîne. Pardon, une autre chaîne, à soit l'IoT, soit la mobile, donc à une, à une DAO. Voilà. Donc, ça, c'est une opération, il ne faut pas oublier de le faire, hein, parce que c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est ce qui permet d'avoir le poids euh, des DAO les unes par rapport aux autres, et la façon dont les trésoreries derrière vont être, vont être remplies avec les, les HNT. Donc, c'est une opération qui est assez importante pour la valorisation du token IoT sur lequel on est. Donc, on va les déléguer, une fois qu'on a fait ça. C'est réglé. Alors la délégation, on peut la changer à tout moment. Je ne sais plus, je crois qu'il y a un délai de 24 heures, mais grosso modo, on peut la changer assez facilement. La délégation en soi n'est pas, euh, pas contraignante. Voilà, ce qui est contraignant, c'est la durée qu'on a mis précédemment. Alors maintenant que je vous ai dit ça et que vous allez peut-être avoir envie d'essayer, si vous essayez de le faire, vous, vous allez retrouver coincé parce que vous n'aurez pas assez de sol dans vos toilettes. <laughs> ouais, parce que quand on va créer ce, ce, HN, ce NFT pour les VHNT, eh ben, on va se retrouver à devoir utiliser des sols pour réaliser cette opération sur la chaîne. Pas beaucoup, mais un peu plus que ce qu'il y a par défaut. Alors... Là on arrive à un autre élément qui rajoute un peu de complexité mais, mais qui est pas mal aussi, c'est qu'en fait, comme on est sur la chaîne Solana, en fait le wallet helium, c'est jamais qu'une surcouche qui permet de rendre un peu plus accessible à le wallet de Solana, euh, qui va permettre de faire plus de choses. Donc le wallet de Solana, il y en a sans doute plusieurs. Moi j'utilise Phantom qui a l'air d'être un des plus, euh, plus utilisés en tout cas. Euh, et donc dans Phantom, vous allez pouvoir importer votre wallet Helium. Alors pour faire ça. Déjà, il faudra télécharger Fantôme, bien sûr. Mais au niveau du Wallet Helium, on va aller dans le petit menu euh, qui a la, la, la petit, le petit engrenage. Et on va pouvoir faire Révéler la clé privée. Donc vous allez révéler la clé privée, euh, ça va retaper le code et ainsi de suite. Ça va vous afficher la clé privée. Vous pouvez la copier. Et cette clé-là, vous pourrez l'importer dans Fantôme. Euh, Donc dans Fantôme, il faudra créer un nouveau compte. Euh, en faisant un nouveau, euh, nouveau compte. Et là, ça vous propose soit d'en faire un neuf, soit d'en importer à partir d'une clé secrète. Et donc, c'est ce que vous ferez. Donc, vous apportez votre clé secrète, et là, vous verrez votre wallet Helium, qui est un wallet Solana, qui va apparaître dans l'application Phantom. Donc, une fois qu'on a le wallet qui apparaît dans l'application Phantom, on peut faire. Euh, on peut voir exactement la même chose que ce qu'on voyait, bien sûr, sur le wallet Helium. Mais en plus, on va pouvoir euh, faire du swap. Et ça c'est plutôt euh, bah, chouette avec l'arrivée sur Solana, c'est la possibilité d'échanger ces tokens dans d'autres choses. Donc vous pouvez échanger vos HNT contre des USDC, vous pouvez les en changer, vous échanger vos IOT contre des HNT, enfin ainsi de suite. Donc vous pouvez faire ces échanges là. Je vous invite quand même à faire attention parce que euh, les systèmes sont basés sur des, des pools de liquidité. On en j'en parlera, parlerai un petit peu après. Euh, et euh, donc au début entre autres, les pools sont pas très gros et les cours sont pas forcément très stables. Donc on peut avoir des frais qui sont importants. On Peut avoir des cours euh, qui euh, varient de façon importante aussi. Donc euh, vérifiez bien quand vous faites une transaction quel est le cours normal du token pour être sûr que vous soyez bien dans les bons prix d'achat. Sinon ça peut, ça peut vous surprendre un petit peu. Voilà. Mais grâce euh, au système de swap, si vous avez besoin de sol, vous pouvez très facilement convertir des HNT en les swappant en sol. Et du coup ben comme ça vous d'ailleurs et comme ça vous récupérez les sols dont vous avez besoin pour faire vos autres transactions. Voilà, donc, euh, donc on va utiliser cette fonction-là pour récupérer des sols. Alors on peut faire autrement, hein. vous pouvez aussi acheter des sols quelque part et puis les transférer. Ça aussi c'est un truc qui marche bien sur le White Phantom, vous pouvez acheter des sols. Euh, payé par carte bleue, euh, voilà et ça se passe plutôt assez simplement, enfin en tout cas beaucoup plus simplement que quand on va sur un Coinbase ou un ou un, ou un Binance où euh, faut vraiment euh, faire le scan complet de sa tête en 3D pour arriver à présenter sa carte bleue. Là c'est plutôt assez facile, je, je suis même passé en paiement Apple Pay, enfin voilà donc ça ça se fait bien pour récupérer des sols. Et donc une fois qu'on a les sols, bah, on peut aller euh, faire l'opération de pour avoir les, les vieux HNT dont j'ai parlé euh, précédemment. Voilà, donc là on a à peu près fait le tour de ce que vous avez besoin de savoir pour, pour démarrer sur, sur Solana. Il reste un dernier point que je vais évoquer, que j'ai un peu évoqué, qui est le Liquidity Pool. Alors, c'est en fait des pools qui permettent de faire les conversions entre HNT, IoT, ainsi de suite, donc de pouvoir faire des swaps. Vous pouvez participer à ces choses-là. Alors, moi, franchement, je ne vous le conseille pas parce que c'est vraiment un truc d'expert. Voilà. Mais pour vous expliquer en gros comment ça marche, on peut donc euh, utiliser un, un, un liquidity pool on peut. Jouer avec ça, jouer au sens financier, donc attention, il y a de l'argent à perdre. Euh, et en fait, c'est un ensemble où on va mettre, par exemple, si vous voulez faire un, un échange entre, euh, permettre du swap entre de l'IoT et du HNT, en fait, il va falloir que vous mettiez, par exemple, 100 dollars en HNT, 100 dollars en IoT. Et ça, ça va venir alimenter le pool et vous allez le mettre sur euh, un certain range de, de, de prix, de taux de conversion sur lesquels vous acceptez finalement de, de, de faire fonctionner ce système-là. Bon, ça, ça permet, c'est ce qui permet de pouvoir faire euh, du swap, grosso modo. Voilà. Et après, je vais m'arrêter un peu là. Moi, mes essais sur ce truc, c'est que j'ai perdu pas mal d'argent en pas longtemps. Et en comprenant, enfin si je comprends à peu près pourquoi, c'est parce que le prix de l'IoT, euh, bah, au moment où je l'ai mis, n'était pas forcément le bon, euh, puisque c'était tout au début, et donc le prix a, a beaucoup, euh, beaucoup augmenté. Euh, entre, le, entre le moment où j'ai placé mon, mon ordre et, euh, et, et la suite. Et, et donc, du coup, euh, ouais, pour vous donner juste une idée, hein, j'avais mis 200 dollars pour jouer et pour essayer. Et euh, il me reste 50 dollars aujourd'hui. Et ça, ça c'est à peu près stable. Euh, mais en tout cas, en trois heures, euh, les 150 dollars, ils avaient disparu. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, moi, je vous invite pas à jouer au Liquidy pool euh, si vous maîtrisez pas le truc. Parce que c'est vraiment, vraiment super risqué euh, comme, euh, comme système. Euh, voilà. Donc, euh, donc faites très attention avec ça, mais en tout cas sachez qu'il y a des mécaniques comme ça qui permettent de faire du swap derrière et que bah, votre appli fantôme, elle vous permet de passer d'une monnaie à une autre en passant éventuellement par plusieurs liquidity pools et en trouvant le chemin qui on va dire le moins cher pour arriver à faire la conversion d'un token vers un autre token. Voilà, donc ça c'est le côté euh, Decentralized Exchange, DEX, euh, qu'on a sur Solana et qui est plutôt euh, hyper sympatoche. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que j'ai été à peu près clair, ce qui est super pas évident parce que c'était quand même un truc... Euh, bien, bien, bien complexe. Euh, je dois dire ces changements. Euh, voilà, moi ça m'a un peu surpris. Euh, je m'attendais pas à tous ces trucs. Bon, après on, on apprend vite heureusement, euh, mais ça fait plein de nouveaux concepts à apprendre. Donc ça c'est cool parce qu'on apprend plein de choses encore une fois sur les blockchains grâce à ces changements. Donc moi je suis plutôt content de ce point de vue-là. Euh, mais bon voilà, c'est vrai que ça complexifie un petit peu notre quotidien. Mais bon d'ici euh, d'ici une petite semaine, ce sera devenu euh, la marche courante et ce sera plutôt plutôt top. Euh, on a plus non plus euh, bah, beaucoup de choses qui marchent plus pour le statut des hotspots, là moi je travaille mal pour essayer de réparer Watchium euh, avec les nouvelles données. J'y vais tout de suite, là. <laughs> juste après l'enregistrement de la vidéo. Euh, donc, euh, donc ouais, ouais, ça va arriver. Je pense que va bah, tout le monde est en train un petit peu de mettre à jour euh, ces, ces systèmes. Il euh, y a toujours Spotify hein, qui est qui est fourni une nouvel Explorer. Bon, c'est pareil, il a un peu tristoun. Moi, je trouve les nouvel Il n'y a pas encore toutes les datas dessus, mais petit à petit, je pense que tout ça, ça va s'enrichir. Il y a beaucoup de données à traiter, euh, et puis il y a beaucoup de code à redévelopper pour tout le monde pour arriver à faire un truc sympa. Donc, euh, donc voilà. Donc la communauté elle va se réenrichir vous inquiétez pas euh, et en attendant bah ouais surveillez bien les ioT qui arrivent tous les jours sur vos hotspots ça vous permet de vérifier qu'ils marchent et euh, aujourd'hui c'est un peu le, le seul moyen efficace de, de vérifier ça donc en tout cas je vous dis à bientôt je vous tiens au courant des prochaines évolutions et passez une bonne journée ciao